يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. On entame aujourd'hui une nouvelle leçon du livre. Je le rappelle, les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane. Il n'est plus à présenter ce livre-là qui nous accompagne depuis maintenant plusieurs mois et que nous sommes sur le point de terminer. Sous peu, nous aurons l'occasion de terminer cet ouvrage en espérant qu'il aura été profitable. En rappelant qu'il est question des bases de l'islam, non pas d'approfondir des connaissances qui ne se limiteraient qu'à ce que le savant doit connaître, etc. Non, ça, c'est les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane. Dès que la personne, on y aperçoit en elle un soupçon, une once de rationalité, une capacité à comprendre certaines notions, on se devrait de lui inculquer ces notions-là. Ensuite, bi'idhnillahi azza wa jal, si d'ici là nous sommes toujours vivants, nasallallahu ta'ala an yutila a'marana fi ta'atihi, qu'Allah nous allonge notre vie dans son obéissance, on aura l'occasion de discuter ensemble et de voir ce que l'on aura l'occasion d'entamer, insha'Allah. En rappelant que depuis une petite semaine ou deux, je vous partage aussi sur le lien du groupe des cours qui sont dispensés dans la grande mosquée de Beauvais. Pour ceux qui ont l'occasion et qui veulent observer ce qui s'y trouve, il y a pas mal de cours sur les biographies de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des cours religieux, etc. Je continuerai pour ceux que ça intéresse éventuellement de partager ce genre de lien-là. C'est un autre format, c'est un format avec la mosquée, donc c'est filmé, etc., etc. Donc, ça peut intéresser, ça fait toujours de l'activité dans le groupe. Mais nous, notre sujet du jour, c'est ce livre-là, les leçons importantes. Et le chapitre que l'on entame aujourd'hui n'est autre que un chapitre sur les bons comportements. L'auteur, rahimahullah, donc le Sheikh ibn Ubez, il n'a pas voulu limiter son livre à des connaissances purement jurisprudentielles. Non, il a voulu y incorporer, comme on a déjà eu l'occasion de le voir ensemble au début du livre, des connaissances liées à l'explication du Coran. Il était question d'expliquer une partie du Coran assez conséquente pour une personne lambda. Nous, on s'était contenté, souvenez-vous, d'expliquer la Fatiha, cette sourate que l'on récite normalement, si on est des musulmans normaux. 17 fois par jour dans nos prières obligatoires. Et on avait expliqué aussi les 3 dernières sourates. Donc, il y avait incorporé de l'explication du Coran, un point essentiel et important qui est négligé par beaucoup de musulmans, la parole d'Allah. On est là à se préoccuper de la parole. Donc, alhamdoulilah, on est ici pour s'occuper de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au minimum. Et des fois, il y a des gens qui se préoccupent ni de l'un ni de l'autre. Et ça, c'est une perte claire. Après, il y a aussi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a aussi incorporé du dogme, de la croyance. Ça, c'est essentiel. On se rappellera la phrase de certains compagnons qui disaient, de qui il est rapporté, « Kunna nata'allamu al-iman qabla al-Qur'an ». Certains compagnons, il est rapporté d'eux. Je n'ai pas envie de me tromper sur le nom du compagnon qui rapporte ce hadith-là, cette information-là, mais il dira, « Certes, nous apprenions la foi, la croyance, le dogme, avant même d'apprendre le Coran. » Et l'auteur, rahimahullah, il a emprunté ce chemin-là dans son livre, lorsqu'il fit de la croyance le sujet principal du livre. Et enfin, la jurisprudentielle. Maintenant, on passe à un chapitre un peu plus généraux, quoique aussi important, bien qu'aussi important, les bons comportements. L'auteur, rahimahullah, il nous dit, الدرس الخامس عشر التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم La 15e leçon, adopter les comportements légiférés pour chaque musulman. Chaque musulman se doit de s'imposer les comportements dits légiférés, les bons comportements vers lesquels l'islam nous a orientés. Il continue l'auteur en nous citant certains de ces comportements-là. Donc, on y comprend que c'est plus, là, lorsqu'il nous dit « Wa minha nafhamu min dhalika annahu sayadhkuru ba'd al-khisal al-hasana min babi at-tab'id ». Donc, on comprend que l'auteur il va citer certains exemples de bons comportements, non pas qu'il s'imposera de citer tout, c'est trop large. Il nous dit as-sidq wal-amana wal-ifaf wal-haya wal-shaja'a wal-karam wal-wafa wal-nazaha an kulli ma harrama Allah wa husn al-jiwar wa musa'adatu dhawi al-hajati hasba at-taqa wa ghayru dhalika min al-akhlaq allati dalla al-kitab aw as-sunnah ala shar'iyyatiha. L'auteur il nous dit parmi ces comportements sur lesquels il faut accorder une certaine importance, auquel il faut accorder une certaine importance, la véracité, être digne de confiance vis-à-vis des dépôts que l'on nous confie, donc ce qu'on appelle l'amana, la chasteté. Bon, ici il sera question de l'ifaf, la chasteté, l'abstinence plutôt. Ensuite al-haya, la pudeur, le courage, la générosité, la loyauté, s'écarter de tout ce qu'Allah a interdit, être de bon voisinage, un bon voisin, aider ceux qui en ont besoin tant que possible, et autre que cela parmi les comportements dont le caractère légiféré est prouvé par le Coran et la Sunna. Point. L'auteur, dans ce chapitre-là, il décide de s'arrêter sur quelques comportements à inculquer aux musulmans, à l'ensemble de la communauté musulmane, insister sur ces comportements. Et qu'est-ce qu'ils sont importants, ces comportements? D'un point de vue général, dans notre religion, c'est la clé de la réussite. On rappellera à cet effet-là cette magnifique parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans laquelle il nous dit « Wa adabul mar'i, unwanu sa'adatihi wa falahihi, wa qillatu adabihi, unwanu shaqawatihi wa bawarihi, famastajlaba khayrud dunya, ou famastujliba khayrud dunya, wal akhirah, بمثل الأدب ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. » Il nous dira le bon comportement de l'homme est la clé de son bonheur et sa réussite. Et par Allah qu'il dirait, ici-bas et dans l'au-delà, c'est la clé de sa réussite. Quand bien même auprès de certaines personnes, le bon comportement, c'est peut-être synonyme de faiblesse. Mais nous, on s'en fiche de ça, on ne réfléchit pas de la sorte. On est des musulmans. On est des musulmans, on ne réfléchit pas de la sorte. Aujourd'hui, malheureusement, les bons comportements, ils se perdent. Les gens, ils s'argumentent de leur mauvais comportement de par le fait que c'est ce qu'ils reçoivent des gens. Mais toi, tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala selon les gens. Tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala selon les gens. Et par ton bon comportement, tu adores Allah. Allah, il te récompense pour celui-ci. C'est pour ça, parmi les plus belles phrases que j'aurais eu l'occasion de lire à ce sujet-là, serait-ce que Ibn Kathir, rahimahullah, il cite dans son tafsir, je ne sais plus à qui il attribuera cette parole-là, mais il dira dans le sens « Ma jazaita ahadan asallaha fik bima huwa khair ou bi khairin bi an tuti'a allaha fihi » Il dira dans le sens, dommage que la formulation parfaite ne me vienne plus, mais il dira, tu n'as pas donné de meilleure réponse, tu n'as pas mieux répondu à la personne qui désobéit à Allah contre toi, c'est-à-dire il te manque à un de tes droits, donc il désobéit à Allah en te manquant à l'un de tes droits ou en souillant l'un de tes droits. Il dira, tu n'as pas mieux répondu à la personne qui désobéit à Allah en toi, par toi, qu'en obéissant à Allah sur lui. Et si on médite cette phrase-là, elle est incroyable. Elle est incroyable. Tu vois, des gens, quelquefois, se permettent, par exemple, de voler quelque chose à quelqu'un. Tu lui demandes pourquoi tu fais ça. Il dit, ouais, mais lui, c'est pas quelqu'un de bien. Subhanallah. Ou alors il m'a fait ceci, cela, c'est pour ça que je me permets cela. Entre guillemets, par vengeance. Le problème, c'est que cette vengeance-là, peut-être qu'elle te condamne en enfer, subhanallah. Elle te condamne en enfer. Combien de fois j'ai eu l'occasion d'entendre un mari qui se permet de répondre au mal de sa femme par du mal. Mais réponds-lui en obéissant à Allah. C'est la meilleure réponse que tu peux donner à la personne qui désobéit à Allah sur l'un de tes droits. Tu n'obéis pas à Allah sous condition que les gens obéissent à Allah. Mais on ne médite pas assez, je pense, sur ça. On ne médite pas assez là-dessus, je pense. Ibn al-Qayyim, il continue, il dit « Les biens de la vie d'ici-bas et de l'au-delà n'ont été obtenus par une chose meilleure que le bon comportement. Et on n'a pas été privé du bien des deux demeures par une chose pire que le mauvais comportement. » Et parlons des hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ma min shay'in athqalu fi mizani al-'abdi al-mu'mini yawm al-qiyamah min husni al-khuluq. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Pas une chose sera plus lourde dans la balance du croyant le jour du jugement que le bon comportement. » Il n'y a pas plus lourd dans la balance que le bon comportement. Il n'y a pas plus lourd. Il nous dit aussi « Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. » Le plus parfait des croyants en foi est celui dont le comportement est meilleur. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leurs épouses. Le plus parfait des croyants en foi, c'est celui qui a le meilleur comportement. Donc, ils sont où ces croyants qui se concurrencent dans cela? Ils sont où? Ils se sont arrêtés à la première injustice qu'on leur a faite et ils ont fini par délaisser l'adoration d'Allah sous prétexte qu'on leur a commis une injustice. Subhanallah. C'est ça les musulmans aujourd'hui. C'est ça les musulmans aujourd'hui. Tu vois une sœur avec son mari, c'est les images qui me viennent en tête en premier lieu. Pourquoi tu es mauvaise avec ton mari, tout ça? Pourquoi tu ne lui donnes pas ton droit avec ça? Ouais, parce que lui, il ne me donne pas le mien. Ok, je suis d'accord. Il y a beaucoup d'injustices, etc., etc. Mais c'est dommage, en fait. C'est dommage de percevoir les choses comme ça, en fait. Parce que tu devrais plus percevoir les choses dans le sens, quoi qu'il en soit, tu adores Allah. Quoi qu'il en soit, tu as ton salaire pour cela. Mais tu ne l'as pas de ton mari, tu l'as d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Par Allah, je ne sais pas si je vais bien me faire comprendre, mais mondainement parlant, si tu comprenais cette notion de commerce, comme tu la comprends mondainement parlant, je m'explique. Imagine tes commerçants, tu vends des choses. Il y a quelqu'un qui vient avec le pire des comportements te voir et qui te dit « Moi, je t'achète toute ta marchandise. » Mais il te parle comme un chien, comme le dernier des chiens. Mais il te donne l'argent pour te prendre ta marchandise. Wallah, normalement, tu vas patienter. Tu vas même rigoler, tu vas sourire. Tu vas dire « Mais moi, je m'en fiche que tu me parles comme ça. Donne-moi l'argent, c'est ce qui compte. Donne-moi mon argent, c'est ce qui compte. Après, je m'en fiche de ta vie. » Mais pourquoi quand il s'agit de l'au-delà, on ne réfléchit pas comme ça? Par ton bon comportement, tu es récompensé par Allah. C'est dommage de te priver de cette récompense, voire pire, te résigner à obtenir plutôt un châtiment auprès d'Allah par vengeance. C'est triste. La meilleure réponse que tu peux donner, c'est d'obéir à Allah, quoi qu'il en soit. Je ne suis pas en train d'appeler au fait d'être, vulgairement parlant, un bisounours, quoi qu'il en soit. Non. Lorsqu'une personne nous commet un tort, il y a des manières de répondre à ça et d'en venir à supprimer cette injustice-là. Bien sûr, il n'est pas question de dire « oui, tu tends ta joue, on t'a tapé ta joue, tu tends l'autre ». Je ne dis pas ça. Ce n'est pas ce qui est demandé. Non, il y a des manières d'obtenir tes droits sans désobéir à Allah. Mais il y en a quelquefois, ce que je veux dire, c'est que quand on leur a fait du tort, l'obéissance à Allah, c'est le cadet de leurs soucis. C'est le cadet de leurs soucis. C'est ça le problème, en fait. C'est plutôt cette manière de penser que je veux blâmer ici. Sinon, bien sûr, ton mari il est injuste envers toi. Il y a une manière de le priver de certains de ses droits, comme certains savants le précisent, pour réclamer le tien, ou inversement, etc. etc. Bref, ce n'est pas la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi « Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa. » Ceux que j'aime le plus parmi vous et qui seront les plus proches de moi le jour du jugement sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Et enfin, il nous dira en tant que résumé de la raison, de l'objectif de son envoi, Professeur Nassim nous dira Inna ma bu'ithtu li utammima salih al-akhlaq. Dans une riwaya makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que dans le but de parfaire les bons comportements. Donc les bons comportements, ils ont une très grande place dans notre religion. Tout comme l'islam nous a interdit les mauvais comportements. Les vils comportements, les comportements ignobles, mesquins, etc., etc. Je rappelle, avant d'entamer ce que l'auteur nous a cité en tant qu'exemple des bons comportements, que le bon comportement, là, à travers ces hadiths-là, il ne faut pas le résumer simplement au bon comportement envers les créatures. Le bon comportement, il est assez large, il a une portée assez large. Et le plus prioritaire des bons comportements, c'est le bon comportement envers qui? C'est le bon comportement envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens, lorsqu'on parle des bons comportements, ils ont une vision assez limitée de cette notion-là. Eux, ce qui leur vient en tête quand on parle du bon comportement, et ça en fait partie, hein, mais le résumé à cela, c'est une erreur. Ah, bon comportement, ah, t'es un bon voisin. Bon comportement, t'es gentil avec tout le monde. Même si en plus de ça, quelquefois, il y a même des notions erronées de bon comportement, alors que bon comportement, c'est pas être gentil avec tout le monde. Bon comportement, c'est être juste, par exemple. Donc, placer la dureté là où il la faudra et placer la douceur là où il la faudra. Et on sait que la base, c'est la douceur, mais quelquefois, il faut user de la dureté, comme on la voit du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certains récits qui sont rapportés de lui en présence de certains de ses compagnons. On se rappellera d'un compagnon qui aurait pris une bague en or. Le prophète la jettera au sol, lui tirera de son doigt et il la jettera au sol. Et cet homme-là, en face de cette situation-là, comment je peux ramasser quelque chose que le prophète l'a jeté au sol? Bref, et dans ce même chapitre-là, ce même registre-là, le fait que le prophète a été amené à combattre des gens, etc. Est-ce qu'on dit que le prophète a un mauvais comportement? Non. Non. Bref, n'oublions pas que dans le bon comportement, il y a premièrement le bon comportement envers Allah, subhanahu wa ta'ala, en l'unifiant. N'aura pas eu un bon comportement celui qui n'unifie pas Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que selon cet aspect-là, celui qui ne donne pas le droit d'Allah, il ne peut pas être quelqu'un de bien, quelqu'un qualifié de bien dans cet aspect-là. Il ne peut pas être qualifié quelqu'un de bien, quelqu'un qui ne donne pas à l'ayant droit prioritaire son droit. Et le premier d'entre eux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Adorez Allah et ne lui associez rien. Et ensuite, le bon comportement envers les parents. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite 10 ayants droit. Après Allah, après les parents, etc., il nous cite 10 autres ayants droit. C'est pour ça qu'on appelle ce verset-là « Ayatul huquq il-ashar », le verset des 10 ayants droit. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, chose totalement logique, il commence par son droit, parce que c'est son droit qui prévaut sur le droit d'autrui, bien entendu. Donc, c'est pour ça que ceux qui commettent de l'association à Allah, subhanahu wa ta'ala, sont les plus injustes qui soient, parce que le droit primordial, celui qui revient à Allah, à cette divinité qui nous a créés, en fait, ils l'ont bafoué, ce droit-là. C'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous parle de l'injustice et il la qualifie d'une injustice, la plus immense injustice qui soit. Notamment dans Sourate Luqman, lorsque Luqman il donnera des conseils à son fils, le premier conseil qu'il lui donnera, c'est ce qui est en lien avec le droit d'Allah. Il lui dira « Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. » Oh mon fils, n'associe pas à Allah, car certes, l'association à Allah est la pire des injustices. C'est la pire des injustices. Tu ne peux pas qualifier quelqu'un de bien, même s'il se comporte bien avec toutes les créatures, s'il ne se comporte pas bien avec son créateur. Parce que c'est la base. Tout comme entre les créatures, il y a une hiérarchie, entre guillemets. Personnellement, quelqu'un qui, lorsqu'il est chez lui, il crache sur sa mère, il tape sa mère, et quand il sort dehors, il est le plus gentil des hommes envers les autres ayant droit sur terre. Vous appelez ça quelqu'un de bien? Dites-moi, vous appelez ça quelqu'un de bien, vous? Quelqu'un, il rentre chez lui. La personne la plus à même de recevoir sa bonté, subhanallah, sa mère, celle qui était la cause pour le mettre au monde, ou la mettre au monde, si on parle d'une sœur. Il lui crache dessus, il lui manque de respect. Et dehors, c'est le plus gentil. On appelle ça quelqu'un de bien? Par Allah qu'on n'appelle pas ça de bien. Dans notre normalité, dans notre standard à tous, c'est pas quelqu'un de bien. Cet exemple-là, c'est le même pour Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil mathalul a'la. Quelqu'un qui est au top du top avec les créatures, mais qui bafoue les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas quelqu'un de bien. Après, on sait, les gens, ils sont dans ce qu'ils sont. Mais c'est la pire des injustices. Donc, rentre dans les bons comportements, le premier bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala, que tu l'unifies, que tu ne lui associes rien. Le professeur Nassim sera questionné. Ayyudhan bi'a'zam, quel est le pire des péchés? Il nous dira an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. C'est que tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala un égal alors que c'est lui qui t'a créé. C'est vrai, de ce point de vue-là, c'est une injustice immense. Allah, il t'a créé. Allah, il t'a donné tous tes bienfaits. Chaque bouffée d'air que tu respires, c'est par bienfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu vas remercier autre qu'Allah? Je ne parle pas de remercier une cause. Ça peut être légitime. Ça rentre dans le hadith du prophète Sam. Man lam yashkuril annas, lam yashkurillah. Celui qui ne remercie pas les gens, qui sont cause de l'obtention du bienfait d'Allah, il n'a pas remercié Allah. Mais Allah, il t'a créé. C'est lui qui t'accorde ta subsistance. Le seul capable, même en toute logique, de te profiter et de te nuire. Et tu vois des gens qui vont adorer autre qu'Allah, qui vont remercier l'habitant de cette tombe-là pour ce bienfait qu'ils ont reçu d'Allah. Il n'y a rien de plus injuste que le shirk. Et il n'y a rien de plus idiot que le shirk. Il n'y a rien de plus idiot, de plus avilissant que le shirk, que l'association à Allah. Tu vois les gens dans le shirk, ils sont humiliés, ils craignent des choses qui ne peuvent ni leur nuire ni leur profiter. C'est pour ça certaines paroles que j'ai entendues, elles étaient belles. Il disait inna fi tawhid izza wa fi shirki dhilla. Dans l'unification d'Allah, dans le fait d'unifier Allah, il y a l'élévation, la force. Tu crains rien à part Allah. Tu crains rien à part Allah. Et dans l'association à Allah, il y a l'avilissement. Il y a l'avilissement, le fait de craindre tout, le fait d'être humilié, etc. Tu vois, les gens, ils ont peur de rien. Ils voient un chat noir, ils ont peur. Ah, l'araignée du soir, c'est signe de malheur ou je ne sais plus quoi. Ils cassent un miroir. Ah, 7 ans de malheur ou je ne sais plus combien. Ouvrir un parapluie à la maison. Ce n'est pas d'une faiblesse, ça. Ou ils craignent de descendre dans leur cave la nuit. Ah, j'ai peur de descendre la nuit. Ah, le mouahid, celui qui unifie Allah, il n'est pas censé avoir peur de ce genre de choses. Il a Allah avec lui. Oh, je cherche refuge auprès des paroles d'Allah parfaites contre le mal de ceux qu'il a créé. Bref, l'auteur, et après le comportement envers Allah, il y a le comportement envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le transmetteur au nom d'Allah. Le fait que tu le suives, donc le premier comportement, que tu n'adores qu'Allah. Le deuxième comportement, que tu n'adores Allah que par les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu n'innoves pas dans sa religion, que tu t'en réfères à sa sunnah, à sa voix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dira lan tadillu ma tamassaktum taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Je vous ai laissé deux choses, vous ne vous égarerez pas tant que vous vous accrocherez à elle, le livre d'Allah et ma sunnah. L'auteur, rahimahullah, il citera après cela certains comportements envers les créatures. Bon, même s'il y a des comportements qui dépassent un peu cet aspect-là, mais les comportements avec les créatures. Une chose totalement considérée dans notre religion aussi. C'est la troisième chose, si je puis dire, le troisième type de comportement. Il citera en premier lieu la véracité. Être véridique avec Allah dans ses paroles, ses actions, son credo, et l'être avec les serviteurs d'Allah. Son contraire étant le mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit au sujet de la véracité, et je m'arrêterai que sur certains des comportements, pas sur tout, pas sur tous. Il nous dira alaykum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Soyez véridiques, car la véracité mène à la piété et la piété mène au paradis. L'homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un grand véridique. Et prenez garde au mensonge, car le mensonge mène au vice et le vice mène en enfer. L'homme ne cesse de mentir jusqu'à qu'il soit inscrit auprès d'Allah parmi les grands menteurs, en tant que grand menteur. Et parmi les calamités présentes aujourd'hui, le fait de voir des personnes qui se sentent dans l'incapacité de parler si ce n'est en mentant. C'est triste de voir des gens qui, lorsque tu leur rappelles que même dans le fait de rire, le mensonge n'est pas toléré, ils te disent bah, on n'a plus rien à dire alors. Non, tu n'es pas obligé de mentir pour rire. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il nous mettra en garde contre ça. Malheur à celui qui, lorsqu'il parle, il ment pour faire rire les gens. Malheur à lui, malheur à lui. Il y a assez de façons de parler pour ne pas tourner ça dans l'optique d'un mensonge et pour plaisanter. On ne te dit pas de ne pas plaisanter. Plaisante, il n'y a pas de problème. On ne te dit pas d'être triste. Non, bien au contraire. Le problème, c'est penser qu'il faut absolument mentir pour rigoler. Non, il n'y a pas besoin. Tu peux jouer sur des propos assez généraux et ce n'est pas à moi de te dire comment faire des blagues sans mentir. Mais sans mentir, tu peux totalement le faire. On interdit tout. Non, on n'interdit pas tout. Et puis, ce n'est pas nous qui interdisons. On n'interdit pas. Déjà, ce n'est pas nous qui interdisons. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui interdit ou qui autorise. Mais bon, bref. Être digne de confiance vis-à-vis des dépôts que l'on nous confie. Et cela s'oppose à la trahison. Et nombreux sont ces gens aujourd'hui qui trahissent ce qu'on leur dépose. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Et les dépôts, ils sont de plusieurs catégories. Si on médite un petit peu, on voit qu'il y a des dépôts qu'Allah nous a confiés. Comme le dépôt de devoir l'adorer. C'est un dépôt. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Donc, c'est un devoir envers Allah que de respecter ce dépôt-là qu'il nous a confié dans le fait de l'adorer, de lui obéir, d'utiliser ses bienfaits dans l'obéissance, que tu utilises le bienfait de l'ouïe dans l'obéissance à Allah et non pas dans l'écoute de ce qui est une désobéissance à Allah, comme le fait d'écouter par exemple de la musique. Le fait que tu utilises cette main qu'Allah t'a donnée, ces mains qu'Allah t'a données, en les utilisant dans l'obéissance à Allah. Le fait que tu utilises ce bienfait qu'Allah t'a donné, comme la beauté, par exemple. Allah, il t'a octroyé une beauté. Utilise-la. Ce dépôt qu'il t'a donné fait partie du comportement d'être digne de confiance que de l'utiliser dans l'obéissance à Allah. Au minimum, dans ce qui est permis, entre guillemets, pour être un peu plus général. Il y a l'obéissance et il y a aussi, par exemple, ce qui est permis, ce qui ne sera pas obéissance, mais permis, que tu l'utilises dans ce qui est permis. Et on visualise un peu ça par le terme obéissance, pas dans la désobéissance. Comme peut-être certains frères à qui Allah il a donné une certaine beauté et qui utilisent leur beauté dans ce qu'Allah interdit. Peut-être en mettant des photos d'eux sur les réseaux sociaux de dénudés, par exemple. Ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Ils sont dénudés. Je ne parle même pas des femmes qui font ça. Le musulman et la musulmane se doivent d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de remercier Allah sur les bienfaits qu'il leur donne. Allah, il t'a donné une beauté. Utilise-la dans le bienfait, dans l'obéissance. Couvre-toi, comme Allah t'a demandé. Ça fait partie de la confiance, d'être digne de confiance. Tu dois l'utiliser dans le halal. Et peu ne s'en faut dans le fait qu'une personne n'utilise pas les bienfaits d'Allah dans l'obéissance, peu ne s'en faut que ces bienfaits ne disparaissent d'elle. Jaza'an wifaqa, en tant que rétribution purement équitable. Tu n'utilises pas le bienfait d'Allah dans l'obéissance, Allah reprendra ce bienfait-là. Peu ne s'en faut pour qu'il ne le reprenne. Tu n'utilises pas ta beauté dans l'obéissance à Allah. Peut-être qu'Allah t'en préserve. Peut-être qu'Allah il va décréter sur toi. Et quand je dis toi, je me comprends dedans. Je dis toi, une personne impersonnalisée. Il va reprendre ça. Allah, il t'a donné une belle voix, mais tu l'utilises dans la désobéissance à Allah. Allah, peut-être, il même fait partie des décrets d'Allah, purement sage, que de déverser sur toi des épreuves en conséquence. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a aussi les devoirs envers les créatures, comme le fait de préserver ton propre honneur. C'est un dépôt, ton honneur. C'est quelque chose d'important, normalement, pour toi, l'honneur. Préserve ton honneur. Tes enfants, en les éduquant et en les protégeant, en les éduquant, en leur donnant une éducation islamique, la première éducation que tu dois leur donner à tes enfants. La première chose que tu veux pour eux, c'est l'éternité au paradis. Si je ne m'abuse. Non ? Maintenant, il y a des parents, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Ils sont extrêmement attentifs quant au fait d'orienter leurs enfants vers la réussite mondaine. Et c'est un bien, il n'y a pas de problème là-dedans. C'est magnifique. Comme ça, tu seras tranquille quand tu seras vieux, mon enfant. Mais est-ce que tu as réfléchi à ce qu'il y a après ? Comme ça, tu seras tranquille éternellement, mon enfant ? Est-ce que tu lui as inculqué ce qu'il faut pour qu'il soit tranquille éternellement, ton enfant ? Pas juste à la fin de sa vie, 20 ans. Il profitera à la retraite 20 ans d'un bienfait éphémère. Il sera trop âgé pour faire certaines choses, même s'il n'était pas trop âgé. Pourquoi, si tu aimes tes enfants, normalement, tu es censé leur donner la meilleure chose qui soit. Et si tu es convaincu que le paradis, c'est la meilleure chose qui soit, tu dois faire en sorte que la première chose, la chose prioritaire, ce soit leur paradis, le paradis que tu leur donnes. Quel meilleur cadeau tu peux faire à tes enfants ? Mais je ne te dis pas de les priver de la vie mondaine. Non. Là, c'est dans une optique de priorité que je te rappelle ça. Les dépôts comme les missions aussi. Ces missions qui te sont données, t'occuper de ta famille, t'occuper de ta femme, t'occuper de tes parents. Les secrets qu'on lui confie aussi. Il y a des gens, ils ne savent pas retenir un secret. Ils ne savent pas retenir un secret. Ça aussi, c'est un dépôt sur lequel ils seront questionnés. Les dépôts matériels, tu leur donnes une somme d'argent, tu ne la retrouves plus. Tu ne la retrouves plus. C'est triste de voir peu de gens de confiance à notre époque. Des gens qui se comptent sur le bout de la main, le bout des doigts, pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Addil amanata ila man tamanak wa la takhun man khanak » Acquitte-toi du dépôt de celui qui t'en a chargé et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Regardez, subhanallah. Ne trahis pas celui qui t'a trahi. Ça fait penser à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a trahi que tu dois le trahir. Non. Je reprends un petit peu ces petits astérix. Je ne suis pas en train de te dire, on n'est pas en train de te dire quand on te dit ça, tends l'autre joue. On n'est pas en train de te dire ça. Mais ne te rabaisse pas à cette ignominie. En fait, ne le laisse pas gagner. Celui qui t'a commis une injustice, ne lui réponds pas par une injustice, entre guillemets. Non, réponds-lui par la justice. La réponse qui est totalement juste. Réponds-lui par cela et c'est là où tu auras gagné. Si tu réponds en désobéissant à Allah, en fait, il a gagné, en fait. Il a réussi à te faire désobéir à Allah, subhanallah. Subhanallah. Quelle perte, subhanallah, que tu aies perdu à la fois ton droit, parce qu'il t'en a privé lui, cette personne ou elle, et qu'entrepartie, tu ne gagnes même pas la récompense auprès d'Allah, mais pire, tu gagnes un péché auprès d'Allah. Wallah, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. On se doit de méditer là-dessus. On se doit de méditer là-dessus. Parmi les comportements que l'auteur citera, il citera la chasteté, l'abstention. Pourquoi l'abstention ? Pour être un peu plus général, parce que l'ifaf, c'est le fait de s'abstenir de ce qui est interdit, des péchés et de la fornication de manière un peu plus restreinte. Donc, parmi les sens de l'abstention, il y a bien entendu l'abstention physique de la fornication et de ce genre de choses-là. Abstenir sa langue, ses mains, ses yeux, ses oreilles de ce genre de choses interdites. Ça fait partie de l'abstention. Ou l'abstinence plutôt, vous me direz. L'abstinence. Allah. Parmi les choses aussi que l'auteur citera, le fait d'être un bon voisin, le bon voisinage, qui implique notamment de baisser le regard, de ne pas toucher à l'intimité des voisins. On pensera à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu » Jibril n'a cessé de me recommander le voisin, la bonté envers le voisin, à tel point que j'ai cru qu'il allait en faire un héritier, à tel point que j'ai cru qu'il allait lui donner un droit à l'héritage. Subhanallah. Regarde, le professeur Massami nous dit, Djibril, il n'a pas cessé de me rappeler le droit du voisin jusqu'à que j'ai fini par croire qu'il allait en faire un héritier, qu'il allait lui donner une part de l'héritage à la mort d'une personne, qu'il allait en faire quelqu'un de ta famille limite. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il insiste aussi sur le danger d'avoir un mauvais comportement avec tes voisins, de leur nuire, comme on voit quelquefois de certains musulmans aujourd'hui. C'est des musulmans, alhamdoulilah, ils ne préservent pas leurs voisins de leurs maux. Oh non, moi, je me rappelle, ma mère, les pires comportements auxquels elle devait faire face dans son voisinage, ma mère, elle n'est pas musulmane, c'est des musulmans, subhanallah. Et après, ça lui donne un argument pour ne pas se convertir à l'islam. Et on est obligé de répéter des notions. Non, maman, ça ne fait pas partie de l'islam, ça. Tout ça à cause de certains. Tout ça à cause de certains parce que malheureusement, les musulmans, que tu le veuilles ou non, à partir du moment où tu t'appelles Mohamed, Ahmed, Samira, Fatima, qui tu veux, tu es un ministre de l'islam. Que tu le veuilles ou non, qu'on le veuille ou non. Que nous, on le veuille ou non. On ne voulait pas. Même si nous aussi, tout le monde a ses défauts, bien sûr. Et il est dur d'être attentif sur chaque chose qui peut émaner de toi. Et puis, ce n'est pas tout le temps... Il ne t'est pas non plus demandé de tout faire pour qu'il t'agrée. Non, c'est selon ce qui est permis, bien entendu. Il ne t'est pas demandé de désobéir à Allah pour leur faire plaisir. Si le voile, ça leur pose du tort, non. Non. Si le voile, ça les fait fuir, il ne t'est pas demandé de l'enlever pour leur faire plaisir. Ah non, bien entendu. Manil tamasa ridallah fi sakhatin nas radiyallahu anhu wa ardan nas anhu. Celui qui cherche l'agrément d'Allah dans même ce qui provoque la colère des gens, Allah, il l'agréera, il fera en sorte même que les gens l'agréent, malgré eux. Et celui qui cherche l'agrément des gens dans ce qui provoque la colère d'Allah, Allah, il abattra son courroux sur lui et il fera en sorte que même les gens le détestent. Mais le droit du voisin, pour revenir à ce point-là plutôt, c'est quand même un droit important, dans les limites du possible, bien entendu. Parce qu'il y en a, effectivement, tu fais le moindre bruit, ça les dérange. Effectivement, tu ne vas pas t'empêcher de vivre pour la personne non plus. Bref. Ne rentrera pas au paradis celui qui ne préserve pas son voisin de son mal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il nous parle d'une femme. Et ce hadith-là, je le trouve immense en sens. Il nous parle d'une femme, on viendra lui parler d'une femme. Tasoumun nahar, elle jeûne le jour. Wa taqumul layl, elle prie la nuit. Wa tatasaddaq, elle donne des aumônes. Wa taf'al, et elle fait plein de bonnes choses. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, et elle fait du mal à ses voisins par sa langue. Ah oui, parce que le fait de léser tes voisins même par la langue, le fait d'être une commère ou le fait d'être une personne qui balance des ragots ou qui se moque des gens, etc., etc., même par ta langue, tu peux nuire à tes voisins. Il ne s'agit pas de faire que du bruit. Non. Même par des paroles, tu peux lui faire mal. La calomnie, le colportage de ragots, tu peux leur nuire. Tu peux nuire à leur honneur. Tu peux nuire ceci, cela. Le professeur Mansim, il parlera de cette femme-là qui avait des prières avec elle, de nuit, qui plus est. Chose que peu d'entre nous ont. Des jeûnes du jour. Elle jeûnait la journée. Elle donnait des sadaqas. Le professeur Nassim, il dira, il dira, il n'y a aucun bien en elle. Elle sera jetée en enfer. Imagine, subhanallah. Imagine cette femme-là qui a ce qu'elle a, avec elle que peu d'entre nous à notre époque ont. Et pourtant, qui à cause de cela, le professeur Nassim, il fera la négation de présence de bien total chez elle. Il ne dira pas, elle a du bien et elle a du mal. Pour insister sur les problèmes liés au mauvais comportement, il dira « il n'y a aucun bien en elle ». Alors qu'il y a un bien en elle. Il y a un bien qu'il n'y a pas beaucoup chez nous-mêmes. Mais pour insister sur ce problème-là, il insistera, il dira « il n'y a aucun bien en elle ». Elle sera jetée en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Et le dernier passage que j'ai voulu choisir, c'est ce qui est en lien avec le fait d'aider ceux qui en ont besoin. Ceux qui en ont besoin. Aider les gens autant que peut se faire. Autant que faire se peut, pardon. Autant que faire se peut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sarin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Wa man satara musriman satara Allahu fi dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Celui qui soulage en ce bas monde un croyant d'une calamité, d'une épreuve, Allah le soulagera d'une calamité au jour de la résurrection. Et il n'y a aucun doute que si Allah il te soulage d'une calamité le jour de la résurrection, tu as réussi. Tu as réussi, Akhi, ou tu as réussi, Urti. Si Allah il te soulage, si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te soulage d'une épreuve le jour de la résurrection, c'est que tu es le gagnant. Tu es le gagnant. Et celui qui accorde une facilité de remboursement à une personne en difficulté, Allah lui accordera une facilité en ce bas monde et dans l'au-delà. Celui qui couvre les défauts d'un musulman, qui mérite d'être couvert bien sûr, parce qu'il se peut qu'il y ait avantage ou intérêt à quelquefois, sous certaines conditions assez exigeantes, de le dévoiler. Lorsqu'il s'agit par exemple d'un crime ou lorsqu'il s'agit d'une mise en garde, des choses qui existent dans notre religion, même si des deux côtés il peut y avoir des exagérations, du côté laxiste et du côté exagéré. Celui qui couvre à la base les défauts d'un musulman, Allah le couvrira en ce monde, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wallah, si ce hadith-là il suffisait, si on s'était contenté de citer ça pour le cours, wallah que ça aurait suffi. Celui qui couvre les défauts d'un musulman, Allah le couvrira en ce monde-là et dans l'au-delà. Qui parmi nous n'a pas besoin qu'Allah le couvre ici-bas? Si ce n'est qu'on ait tous avec nous des choses dont on aurait honte qu'elles soient dévoilées. Même, et plus encore dans l'au-delà. Et Allah vient en aide. Et Allah vient en aide au serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère. Donc, il faut se rappeler que celui qui aide les gens dans le besoin, en fait, le bénéficiaire, c'est toi, c'est pas lui. C'est toi, c'est celui qui aide qui est bénéficiaire. C'est pas celui qui est aidé. Dans l'aspect assez lointain de la question. Pour ça, il est rapporté de Foudayl ibn 'Iyad, un ascète mort en 187 de l'Hégire. Il dira dans le sens Tara annaka sanata ila akhika ma'rufan. Il dira dans le sens: est-ce que tu penses que c'est toi qui as été bon envers ton frère quand tu l'as aidé? Il dira par Allah, c'est lui qui a été bon envers toi, qui t'a fait un cadeau lorsqu'il t'a demandé à toi de l'aider. C'est lui qui t'a fait un cadeau. Ce n'est pas toi qui lui as fait un cadeau. En gros, c'est ça qu'il veut dire. Il veut un peu visualiser l'aspect lointain de la chose. C'est toi qui dois lui dire merci, en fait. C'est toi qui dois lui dire merci. Il y a des gens, quelquefois, quand quelqu'un vient les voir après pas mal de temps sans nouvelles, et que quand on vient te voir, c'est pour te demander un service, il le prend mal. Ah, toi, tu viens me voir que quand tu as besoin. Après, ça peut être à juste titre, ça peut être quelqu'un qui se joue de toi. Moi, je parle dans un cas standard, d'accord? On parle toujours dans un cas standard, on sait qu'il y a des gens qui exagèrent. On sait qu'il y en a. Quand il faut gratter, il faut gratter. Bref. Il y a quelqu'un qui vient te voir après longtemps, c'est pour te demander quelque chose. Et toi, tu penses, ah, vas-y, lui, quand c'est pour me demander, là, tu viens chercher des nouvelles. Mais non, pense pas comme ça. Ah, si c'est une personne normale en face de toi, qui ne profite pas habituellement, voilà, etc. Alhamdoulilah, tu as une récompense en l'aidant. Comme nous, quelquefois, on vient nous poser certaines questions, etc. On ne vient pas nous parler pendant 1 mois, 2 mois, et après, on nous pose une question à laquelle on pourra répondre ou pas, ce n'est pas la question. Mais, alhamdoulilah, je suis content que tu viennes me voir quand tu as besoin. Je suis content. Et si je peux t'aider, en plus, sans dépenser quoi que ce soit, alhamdoulilah. Si ce n'est octroyer des connaissances, je suis encore plus content. Mais, voilà, il faut en fait essayer de voir les choses comme ça s'il s'agit d'une personne normale en face de toi. Il vient, bien sûr, oui, il n'est pas venu avant, chacun a ses occupations, etc., etc. Maintenant, il est venu te voir. Est-ce que tu vas avoir l'honneur d'être une de ces personnes? Celui qui aura soulagé à son frère ici-bas une calamité, Allah, il te soulagera. Patiente sur ça. Et Allah, il te viendra en aide si tu viens en aide à ton frère. Pense à ça, pense à ça. Et on s'arrêtera sur ces quelques petites, sur ces quelques leçons, sur ces quelques comportements cités par l'auteur. Il y en a d'autres. Je n'ai pas forcément vu la quantité ou la densité d'informations pour chaque qualité et préféré rester général que de m'approfondir dans chacune de ces choses-là. On se contentera de ça pour aujourd'hui. ونسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم وفقنا لكل خير واحفظنا من كل شر وفقنا للتحلي بهذه الأخلاق الحسنة وقنا من الأخلاق الرديئة والخسيسة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Qu'Allah vous préserve de tout mal et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.